Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Iska Malinois. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto pour faire monter son chien aux arbres. On profite d'avoir Malena, qui est un chien qui ne sait pas monter aux arbres, pour justement lui apprendre ça. Iska, monte. Très bien, on va essayer de lui apprendre ça. Allez, à tout de suite, Iska. D'abord, je voulais m'excuser du bruit du vent, mais on peut pas faire autrement. Il n'y a que aujourd'hui qu'on peut tourner parce que j'aurai Malena que aujourd'hui et j'ai la moumoute et tout. Mais bon, vous allez quand même entendre le bruit du vent. Donc, pour la première étape, avoir un jouet pour motiver le chien. Il faut que le chien ait envie de jouer. Vous voyez, on leur donne envie de jouer. Donc, pour cette première étape, on prend un jouet, on motive le chien, on met le jouet dans l'arbre. Et on essaye de vraiment motiver le chien pour qu'il monte. Elle l'a jamais fait. Hein. Pose. Bah, elle est là. On motive le chien. T'es prête, Malou? T'es prête? T'es prête? Allez, monte! Allez! Allez! Et direct après, on joue avec, on le félicite et tout. C'est bien, Malena. Et on essaye de le refaire une deuxième fois. Malena donne. Malena donne. Elle n'a pas de sensation. Couchée. Pas bouger. Pas bouger. Malena. Allez, monte. Prêt. C'est bien. C'est bien, Malena. Malena donne. Ouais. Et maintenant, on va essayer de la faire monter sans le jouer. Donc ça va être Malena donne. Donne. Va bouger. Bouge. Jusqu'à 20 ans. Pas, elle l'a jamais fait, c'est la première fois qu'on le fait avec elle. On va essayer de faire monter. Allez, monte, Malena. Ouais. Allez, descend. Jusqu'à. Allez, monte. Ouais. Bravo, ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore désolé pour le vent, mais bon, on n'a pas le choix. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, à liker. Iska, elle a une page Facebook, c'est Iska Malinois. Vous avez tous les liens dans la description, même pour venir en balade avec nous. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et peace out, à la prochaine. Petit conseil pratique mais utile et simple, quand vous avez deux chiens, évitez d'avoir deux noms qui se ressemblent comme Malena et Iska, parce que c'est vraiment la galère. Quand on appelle l'un, l'autre se reconnaît. Tu dis pas bouger à Malena, Iska ne bouge pas. Tu dis viens à Malena, Iska va venir, parce que ça finit en A tout simplement. Donc le chien confond le prénom avec le prénom de son voisin et c'est vraiment compliqué. Ensuite, avoir deux chiens, c'est doubler de vigilance. Et faites vraiment attention, ne prenez pas un deuxième chien sur un coup de tête pour qu'il finisse à la SPA ou à l'abandon. Il faut vraiment savoir là où vous vous engagez, là où vous mettez les pieds, informez-vous. Et informez-vous aussi sur le Malinois avant d'en prendre un. C'était la Minute Conseil, à bientôt et merci pour tout.